Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo dans laquelle je voudrais vous parler de la lecture commune qui va arriver sur la chaîne prochainement. Lecture commune qui va de pair avec un projet du coup dont je vais vous parler aussi aujourd'hui, qui est un projet que j'ai trop trop hâte de commencer parce que c'est un truc, voilà, ça va être trop cool. Ça fait déjà un petit moment qu'on vous prépare ça avec Théo de la chaîne Chronique Livresque. Et du coup, bah, j'ai trop trop hâte qu'on mette tout ça en place et que ça commence parce que c'est un projet que je trouve trop cool et j'ai trop hâte du coup, bah voilà, que, enfin bref, vous avez compris, j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de vous en parler. Alors du coup, pour la lecture commune, si vous êtes sur Discord ou si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous êtes déjà au courant. Bref, du coup, ce sera la lecture commune du roman Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, qui est le premier tome d'une duologie, et le deuxième tome, il sort dans quelques mois, il sort au mois d'octobre 2021. Donc voilà, la suite arrive prochainement. C'est un roman qui me fait hyper hyper envie depuis sa sortie, que je suis vraiment trop trop contente que les éditions J'ai lu me l'ont envoyé du coup, parce que voilà, je l'ai pas dit, mais c'est publié du coup dans la collection Nouveau Millénaire chez J'ai lu, et c'est un roman qui a l'air d'être vraiment génial. Alors ce roman, à la base, il m'intéressait énormément parce que c'est le roman qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman de l'année 2020, et vous verrez que ça aura de l'importance pour la suite de la vidéo. Et les prix Hugo, c'est vraiment un prix littéraire, du coup c'est le prix le plus prestigieux de littérature, de l'imaginaire, enfin un des prix les plus prestigieux, je pense. Il y a le prix Locus, le prix Nebula aussi, qui sont, voilà, assez cool, et en France on a le prix Imaginal, mais c'est quand même pas, voilà, le prix Hugo c'est quand même quelque chose, voilà, c'est quand même quelque chose, je pense vraiment qu'on peut dire que c'est le prix le plus prestigieux de la littérature, de l'imaginaire, et c'est un prix que j'aime bien suivre, j'aime bien regarder les romans qui ont gagné les prix et tout, parce que je trouve que c'est vraiment, enfin en tout cas ça correspond en général plutôt bien à mes goûts. Et donc du coup, quand j'ai vu que c'était ce roman qui avait gagné le prix, bah, j'étais forcément hyper enthousiaste et j'avais trop trop hâte de le lire. Vraiment, depuis sa sortie, ce livre, il me fait envie, donc je suis trop contente, voilà, que la lecture commune soit toute proche et qu'on puisse le lire tous ensemble, parce que ça va vraiment être trop trop bien. Alors du coup, pour l'histoire, on est sur un roman de science-fiction, c'est une duologie, je crois que je vous l'ai déjà dit. On est dans un empire, du coup dans un univers de science-fiction où en fait l'empereur vient juste de mourir. Il aurait été apparemment assassiné, et en fait la personne qui va prendre la place de l'empereur, enfin l'héritière de l'empereur, qui est une jeune femme, Maït, va du coup prendre la place de l'empereur. Sauf qu'en fait, dans cet univers de science-fiction, l'empereur, quand il règne, il a une puce mémorielle, voilà, qui garde intacte bah, toutes ses souvenirs, toutes les informations qu'il y a à savoir, bah voilà, sur l'empire, sur les gens, sur les contrats, sur, bref, une puce mémorielle avec toutes les informations nécessaires pour gouverner. Et cette puce se transmet d'un empereur à l'autre pour que, bah voilà, l'empereur suivant ait toutes les informations dont il a besoin pour mener à bien sa tâche. Sauf qu'en fait, Maït, du coup, qui est une jeune femme qui va devenir impératrice, sa remplaçante, la jeune Maït, oui voilà c'est ça, bref, du coup elle va remplacer l'empereur et on va lui donner la puce mémorielle. Sauf qu'elle va assez vite se rendre compte que la puce a été endommagée et qu'il lui manque plein d'informations, ce qui va forcément la mettre dans une situation très précaire, parce que si j'ai bien compris, on est dans un univers avec une société vraiment complexe, avec beaucoup d'intrigues politiques, de complots, va y avoir, voilà, ça va. Donc voilà, du coup ça commence pas très bien pour elle, et en plus de tous ces complots, de toutes ces intrigues auxquelles elle va devoir faire face, bah elle va se retrouver aussi avec le mystère de la mort de l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et est-ce que tout ça va pas lui retomber dessus, est-ce que les personnes qui ont assassiné l'empereur ne vont pas à un moment s'en prendre à elle. Donc voilà, on est vraiment sur un roman de science-fiction avec des intrigues politiques, ça a l'air d'être vraiment génial. Je trouve la couverture vraiment trop trop cool, je sais pas, ce trône vraiment super fin. Je trouve ça trop cool, ça me fait super envie, vraiment ce roman il me fait hyper envie. J'espère qu'il vous fait envie aussi, et j'espère du coup que vous serez nombreux à nous rejoindre pour la lecture commune. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Alors du coup, pour les informations pratiques de la lecture commune, on lira ce livre du coup les deux premières semaines de juin, et ça se passera sur le Discord. Donc voilà, si vous êtes intéressés, vous avez juste à suivre le lien vers le Discord qui est dans la barre d'infos, et à nous rejoindre pour la lecture commune. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte, je pense que vous comprenez à quel point j'ai hâte. Je suis trop contente de lire ce livre, enfin, parce que c'est vraiment un livre qui me faisait envie depuis tellement longtemps. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, c'est une lecture commune qui, voilà, se place dans un projet de lecture un petit peu plus grand. Un projet de lecture que j'organise avec du coup Théo de la chaîne YouTube et du compte Instagram. Chronique Livresque, parce qu'en fait on a eu la même idée au même moment, et c'était une idée qui nous bottait trop, et du coup on s'est dit bah voilà, faut qu'on le fasse, et faut qu'on le fasse tous les deux, ce sera encore plus cool. On est tous les deux du coup très intéressés par le prix Hugo, et on a eu l'idée en même temps de faire quelque chose autour du prix Hugo, de faire des vidéos, des lectures communes, voilà, de faire quelque chose autour de ce prix littéraire pour mettre en avant certains de ses livres, pour lire ensemble certains de ses livres. Et du coup bah voilà, on s'est dit qu'on allait créer un challenge. C'est un challenge du coup qui se conduira sur, en fait
Ça risque de s'étendre assez, enfin ça risque de s'étendre, comment dire, dans le temps, mais en même temps c'est pas un challenge qu'il y aura en permanence. Enfin, c'est-à-dire en fait on s'est dit que ce qui serait cool, voilà, j'ai l'impression que c'est pas clair du tout. Mais de toute façon, si les informations que je vous donne là tout de suite sur le challenge ne sont pas claires, vous pouvez toujours me poser des questions dans la barre d'infos. Et de toute façon, on a prévu de faire un live tout fin mai ou tout début juin pour reparler de tout ça, répondre à vos questions, tout ça. Donc voilà, si c'est pas très clair, je m'en excuse, mais vous finirez de toute façon par avoir les bonnes informations. Alors en fait, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui serait cool, c'est de temps en temps, pas le faire tout le temps, parce que voilà, tout le monde a des lectures, des choses, voilà, d'autres lectures, d'autres projets, mais de temps en temps, en fait, de choisir au hasard une année de Prix Hugo, parce que le Prix Hugo, il a commencé en 1953, ensuite. Il y a des prix qui ont été attribués a posteriori à des années antécédentes de 1953, mais du coup on appelle ça les prix Hugo rétro. C'est pas, enfin, c'est le prix Hugo quand même, mais c'est pas tout à fait ça qui nous intéresse. D'ailleurs, je sais pas si on. Je suis pas sûre, on n'en a pas parlé, mais je pense pas qu'on lira les années avant 1953. Mais bref, c'est un prix qui a commencé en 1953 et qui continue encore aujourd'hui et qui tous les ans en fait récompense plusieurs romans, plusieurs récits. Il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie du meilleur roman, du meilleur roman court, de la meilleure longue nouvelle, de la meilleure nouvelle courte. Depuis quelques années, il y a la meilleure série, il y a le meilleur auteur débutant, le meilleur scénariste. Enfin bref, il y a toute une sélection, voilà, de romans, de récits, d'auteurs qui sont récompensé par le prix Hugo. Et l'idée du challenge, en fait, ce serait de temps en temps, alors pas forcément tous les mois, peut-être tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, faudra qu'on voit en fait en fonction de nos disponibilités, des projets, des enveloppes du temps de tout le monde et tout. Mais bref, en fait, de temps en temps, de choisir une année au hasard et de lire en fait les romans, les récits qui ont été primés pour cette année-là et de le faire plusieurs fois. Comme ça nous permettra d'avoir un panorama assez étendu quand même, des textes, des romans qui ont gagné le prix Hugo. Et ce que je trouve hyper intéressant avec le prix Hugo, puisqu'en fait, il est quand même là depuis les années 1950, c'est que quand tu regardes l'évolution, les textes, pardon, qui ont gagné, on voit vraiment toutes les choses qui sont entrées dans la science-fiction, toutes. En fait, ça nous permet vraiment de retracer l'histoire du genre, de l'imaginaire, à travers les auteurs, les grands auteurs, à travers les grands textes, à travers les textes fondateurs, tout un tas d'événements historiques dans la littérature de l'imaginaire, de voir à quel moment les femmes ont commencé à vraiment gagner des prix, à quel moment elles ont commencé à, voilà, vraiment prendre de l'essor dans la littérature de l'imaginaire. Il y a vraiment plein de trucs super intéressants avec le prix Hugo. Il y a eu des, voilà, des. Tout un tas de choses en fait, d'événements qui montrent vraiment l'évolution politique de nos sociétés. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Notamment, il y a quelques années, il y a eu un événement, bref, on en parlera plus tard, un truc hyper intéressant de personnes qui ont voulu faire une espèce de lobby pour qu'il n'y ait que des hommes blancs qui gagnent le prix, et du coup ça n'a pas marché. Et à la place, je crois que ça a permis à N.K. Jemisin de gagner. Enfin bref, c'est hyper intéressant, il y a plein de trucs comme ça trop trop cool. Quand tu regardes le prix Hugo, les romans qui ont gagné, c'est fascinant. Franchement, je trouve ça passionnant, c'est hyper intéressant. Et en dehors du fait que voilà, c'est intéressant, ça permet aussi, enfin l'idée du challenge, c'est de revenir un petit peu sur ces livres qui ont quand même gagné le prix Hugo, donc qui sont quand même de lire des romans qui ont gagné le prix Hugo, parce que c'est quand même un prix assez prestigieux qui récompense, pardon, les grands romans de chaque année, les choses un petit peu innovantes, les trucs, des très bons livres. Donc du coup, ça va nous permettre de nous pencher un petit peu là-dessus. Donc voilà, en gros, pour les grandes lignes du projet, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos, ou sinon, et c'est encore le plus simple, de nous rejoindre du coup sur Discord, puisque oui, je vous ai pas dit, mais tout ça se passera a priori sur Discord et sur Instagram. Donc si vous voulez participer, ou que ça vous intrigue, que ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à venir sur Discord et vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc voilà, et du coup, là où ça va concerner, enfin où les deux vont se recouper et où ça va concerner la lecture commune, c'est qu'en fait on s'est dit que pour commencer ce projet de lecture, ce challenge autour du prix Hugo, ce serait intéressant de commencer par une année qui est quand même assez proche de nous, pour pas perdre les gens, voilà, pour que les gens soient plus intéressés que si c'était un livre, voilà, des années 1900, enfin que si on choisissait les années 1960 par exemple. Du coup, on s'est dit qu'on allait commencer le projet avec l'année 2020, qui est du coup l'année qui a gagné, enfin l'année où ce roman-là a gagné le prix Hugo. Et du coup, en juin, on va lire les romans, les récits qui ont été primés pour le prix Hugo. Oh, j'ai l'impression que c'est compliqué ce que je raconte. Alors je sais pas si ce que je dis c'est compliqué ou si c'est moi qui rends ça compliqué, mais je vous jure, c'est pas compliqué, c'est très très simple, j'ai l'impression que c'est juste moi qui ai du mal là ce matin. Alors du coup, je reprends. Du coup,
au mois de juin, on va faire la lecture commune de Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, qui est le roman qui a gagné, enfin oui c'est ça, le roman qui a gagné le prix Hugo 2020, et on va profiter du mois de juin pour lire du coup les autres romans et les autres textes qui ont été également primés pour l'année 2020. Il y a notamment Les Oiseaux du Temps qui est publié chez Mnemos, enfin qui est sorti chez Mnemos il n'y a pas très longtemps et qu'on a vu absolument partout. Il y a aussi quoi d'autre qui a gagné en 2020, il y a la série littéraire The Expanse, il y a quoi d'autre, je sais plus, il y a N.K. Jemisin qui a gagné pour la nouvelle, bref, il y a pas mal de textes qui ont été récompensés et du coup bah, c'est l'occasion au mois de juin de se pencher dessus, d'en lire certains, évidemment oui j'ai pas précisé mais il n'y a aucune obligation de tous les lire pour participer, enfin juste, si vous voulez participer ou que ça vous intéresse vous pouvez juste décider de lire le roman ou de lire la nouvelle ou de lire juste un truc ou de, enfin bref, c'est juste que du coup nous au mois de juin de toute façon on lira ces textes là, peut-être pas tous hein, aussi parce que je suis pas sûre que j'aurai la motive pour tout lire, mais en tout cas on va essayer d'en lire un maximum, et donc ceux qui veulent participer avec nous, qui veulent se joindre à nous, qui veulent en lire un ou deux ou zéro ou bref, et ben n'hésitez pas, enfin si vous en lisez zéro je sais pas si ça vaut le coup, mais dans tous les cas n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai l'impression que ça a été hyper fouillis cette vidéo, donc je sais pas, ça se trouve je vais la refilmer parce que je vais me rendre compte au montage que c'est n'importe quoi, mais dans tous les cas il y aura un live, il y aura, voilà, bref, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà pour la lecture commune et voilà pour bah voilà le projet de lecture qu'on a avec Théo. On a trop hâte de commencer, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera et que vous serez, bah voilà, que vous viendrez avec nous pour discuter de tout ça, pour lire tous ces romans. Donc voilà, et bah écoutez, sur ce, j'ai vraiment l'impression que ça a été hyper confus ce que j'ai raconté. J'espère que je vais pas devoir retourner la vidéo, putain ça me saoule, mais voilà, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Donc voilà, bah du coup sur ce, j'espère que ça vous plaît, j'espère que le projet vous intéresse, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.